Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur une vidéo des Sims 4. Donc aujourd'hui je vais refaire une maison avec un nouveau Sims. Donc je vais en créer un et je vais mettre sur un petit terrain et je vais essayer de faire une maison, donc c'est un espèce de petit studio avec une mezzanine. On va bien voir ce que ça donne, je sais pas. J'avais une idée en tête. Voilà, donc le Sims, je m'en fiche totalement de ce qu'il est, de comment est-ce qu'il est, etc. Mince. Voilà. Voilà, on s'en fiche complètement. Voilà. Et on est parti. Donc toute cette maison, je vais la mettre en accéléré pour que ce soit plus pratique pour vous. Je vais aller dans Oasis Springs. Pour que ce soit plus pratique pour vous à regarder, que ce soit plus agréable, parce que sinon, c'est pas tellement agréable. Donc là, j'ai un terrain à 1500, donc on va aller dessus. Donc bien sûr, il faut des terrains pas trop excessifs, hein, parce que quand on commence avec un sim, ça perd du temps, on essaie de prendre quelque chose qui ne coûte pas trop cher au niveau du terrain. Donc c'est parti pour la construction de cette maison. Allez hop, donc je vais commencer par la base, hein. Je vais faire une maison un peu carrée, je vais faire quelque chose, voilà, comme ça. Et en fait j'avais, m'étais dit que j'allais faire la salle de bain en bas, ici comme ça. Avec un toilette, tout ça, et en haut, avec quelque chose d'assez... sympa. Je vais faire eh bien la mezzanine, voilà, donc ça me pile poil, parfait. Et ben on va refaire un mur complet tout en gardant quelque chose de très moderne, hein, par contre ça je l'ai pas dit précisé, mais je veux quelque chose de moderne, voilà. Bah écoutez, je vais même décaler ça. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, on est parti.
Eh bien voilà, défi réussi. Donc on a un studio assez grand quand même, puisque j'ai quand même mis des beaux meubles. Donc je vais peut-être décaler ça un tout petit peu, pour que ce soit un petit peu plus... Voilà. Quoique... Non. Voilà. Donc je vais plus décaler ça. Donc voilà, défi réussi pour cette maison... appartement. C'est une petite maison, enfin studio avec donc une pièce principale avec la cuisine, le petit salon avec la télé. Vous avez quand même une petite salle de bain en bas et la mezzanine en haut avec la chambre. Donc voilà ce que ça donne. On a une maison complète avec un lit correct. Des choses bien dès le départ, donc un toilette pas le premier prix, la salle de bain pareil, le lavabo pareil, il n'y a que dans la cuisine que c'est du premier prix, ensuite au niveau de la télé c'est pas du premier prix non plus, bref, vous avez quelque chose de correct et je trouve ça assez sympa d'avoir une maison comme celle-là. Donc voilà, après, par la suite, il faudra ajouter quelques fenêtres. Mais pour commencer, c'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal de luminosité. Je pense que si on change... Parce que j'étais encore en mode nuit, comme d'habitude. Ça, c'est un truc qu'il faut que je pense à vous changer à chaque fois que je le fais. Donc voilà. Quand on met ça en mode jour, voilà ce que ça donne. Ça vous fait une belle petite maison. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est pas trop mal pour commencer. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous laisse avec les photos de la maison en zoom. Et j'espère qu'elle vous aura plu. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc je vais tester le mode bras de fer. Oh, c'était trop tranquille sur vous. Donc c'est parti. Peut-être que je m'occupe de mes quêtes un petit moment. C'est un petit moment que j'ai pas fait. J'ai un paquet que j'ai gagné une fois que j'ai fait la quête. Le bras de fer. Donc, les boss de donjon veulent vous aider. Construisez votre propre deck, mais obtenez un pouvoir héroïque de boss aléatoire. Chaque fois que vous l'utilisez, il change.